Hello les gens, nous voici pour un nouvel épisode de Walking Dead 2. Pour le premier épisode que je ne sais plus le nom, je l'ai pas lu. Veuillez m'excuser. Dans le dernier épisode, c'était la merde totale. On a rencontré un chien, Sam, qui nous a mordu et j'en passais des meilleurs. On l'a tué, puis après on a rencontré un groupe de personnes qui nous a secourus sans nous secourir. Donc là on est dans le merdier, on est dans la buanderie parce que ils ont peur, parce qu'ils ont vu la morsure que nous avons au bras. Et nous sommes dans la merde. Attendez, j'ai avis qu'il est en anglais, voilà, ça c'est bien. Donc je vais me mettre à observer toutes les choses, hein, il y aura pas grand chose à faire. Petit détail à la con, je vais essayer d'avoir une meilleure qualité d'image pour la webcam. Donc je suis en train de filmer avec mon appareil photo, donc là je suis en train de regarder toutes les deux secondes voir s'il enregistre très bien. Donc si vous me voyez lever les yeux, c'est normal. Et au cas où, si vous avez la webcam qui est la webcam de mon PC, je suis désolée hein, si j'ai une gueule trop claire. J'en suis navrée. J'ai réglé pour l'appareil photo mais pas pour la webcam, donc il risquerait peut-être éventuellement de ne pas y en avoir tout court au fait. Donc moi je me mets à tout fouiller, je regarde même pas ce que je fais. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Bah t'auras pas le choix. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà essayé de l'enlever comme ça. Je ne saurais pas, donc faudrait utiliser le canif. Je vais regarder à ça après, donc je vais d'abord regarder tous les autres trucs qu'il y a aux environs, même si ça ne sert à rien. Donc voilà. C'était pour voir ça, donc le tonneau, peut-être qu'il y a quelque chose dans le tonneau. Non, il n'y a rien d'autre. Pouh. Ouais, donc elle est très dubitative, hein, notre petite Caroline. Caroline. Clémentine, je vais regarder ce que c'est que ça. Ça m'a servi à quelque chose, mais d'une force. Donc on va ouvrir ce truc. Hop, on va aller faire le machin là. Allez, couteau. T'as encore le couteau. Ouais, t'as le couteau. De toute façon, je ne sais faire que ça, donc je suis un peu larguée. Allez, maintenant tu l'enlèves. Je suis coincée, je dois faire quoi? J'ai vu quelque chose. Un marteau. Bon, j'ai deviné ce que je vais faire, donc je vais grimper. Et je vais prendre le marteau, si je me casse pas la gueule entre-temps. Hein. Bien joué, tu t'es encore doublement fait mal. Ah, idiote. J'ai mal pour toi. Ah, putain, andouille. Donc ça, je vais l'enlever, du coup. Bon, on imagine ce qu'on doit faire, hein. Donc allez, on y va. Marteau. Oh putain! Oh, quoi que c'est les mêmes touches que sur le clavier français, est-ce que j'aurais été dans la merde? Tac! 1, 2. Mais pourquoi tu veux sortir? Tu vas aller leur voler des trucs? C'est pas un bon plan, hein! Mais bon, le problème c'est que si elle ne se soigne pas, elle risque d'avoir de la fièvre aussi due à sa morsure, parce que quand on est mordu et qu'on ne soigne pas une blessure. Ouais, tu vas aller leur voler, ouais. Bien évidemment, sois discrète, il y a des rôdeurs. Je disais, le problème, c'est que si on ne... Ok. Ça me donne des objectifs. Le problème, c'est que si on ne désinfecte pas une blessure, le problème, c'est qu'on risque de le payer très cher. Putain, j'aurais voulu qu'il m'aide. Je vais juste regarder ce qu'il y a. Je ne pourrais pas l'ouvrir. La fenêtre de devant, je pourrais pas. Ouh, le rôdeur, il se rapproche. Donc, je vais aller d'abord là. Allez, ouvre. Non, c'est fermé. Peut-être qu'il y a une fenêtre ouverte. Prions pour mon âme. Non. Hop. Ouais, j'avance très vite pour la raison la plus conne, c'est que s'il y a des rôdeurs, bah, c'est qu'on risque de se faire attaquer. Donc peut-être ici. Oh. Ouais, je trouve. Donc là, c'est peine. Perdu. Bah ouais. Cette fenêtre brille bizarrement. Peut-être que...
Je pourrais éventuellement... Non, trop petite. Bon, raté. Il n'y a pas un trou ici dans cette... Ah, 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 ah. C'est bien ce que je pensais, il y a un trou. Mais c'est vrai que ça aurait été con de passer par la fenêtre alors que tout le monde aurait pu me voir. Est-ce que j'ai pris le marteau? Donc je regarde. Est-ce que j'ai pris le marteau? Oui, j'ai pris le marteau, c'est bien. Ouais, non, il faut faire cette action pour comprendre qu'il faut enlever les clous. Clementine. Hop, tu vas m'enlever ça. Je vais juste leur causer la merde en faisant ça, mais tant pire, hein, ils avaient qu'à me soigner. Oh, j'ai tort à faire vite. Allez hop, enlève-moi ça. Je regarde le chrono, je regarde mon truc s'il fonctionne bien. Et on rentre, hop. Ouais, elle a tout intérêt à se soigner. Donc, ouais, je ne peux qu'avancer, je peux même pas aller à gauche, à droite. Ouh, le jeu il lag ici. Je prendrais bien le marteau. J'ai d'abord essayé le couteau. Bon, c'était le bon outil, mais en même temps j'ai cassé le canif. Ça c'est moins cool. Ça c'est pas cool d'avoir cassé le canif. Pas cool du tout. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Ah, ils veulent me tuer. Attendez, je peux rien faire d'autre. Allez, on va ouvrir. Oui, je regarde mon chrono. Je suis désolée, je regarde ma. Mon truc. Bon. Déjà regardez ce qu'il y a dans les environs, en priant pour pas qu'on me repère. Donc il y a des bougies. Table. Regardez, il y a des livres, des cartes. Bah, ils se font pas chier. Je ne peux pas aller plus loin, donc on va retourner là-bas. Il y a un truc ici. Ah, c'est écouté. C'est bien, j'ai écouté. J'ai peur de faire une connerie en faisant ça, mais tant pis, hein, écoutez. Hein. Y'a rien à perdre. J'avais pas compris comment on faisait, donc c'est pour ça que... Ok, je vais arrêter, je m'en vais. Parce que sinon, je vais me faire repérer avec ces conneries. Ouais, voir des portes qui s'ouvrent. Bon. Ils veulent m'accepter sans m'accepter. C'est point cool, par contre. Ah, ah, ah. Est-ce que la gamine est dedans? Si elle est dedans, je rigole. C'est une chambre à coucher. Mm-hmm. Des lettres. On va regarder ce qu'il y a dessus. J'ai pas bien vu. Bon, ça devait pas être important. Enfin, j'espère, je prie. Hein. Un piaf. Un canard. Un canard, attention. Oh merde. Elle pense au gamin dans l'autre... Ah merde, j'aurais pas dû lui montrer. Oui, dans le premier jeu, il y a un personnage qui s'appelait Duck. Je ne vous dis rien de plus. Vous avez qu'à découvrir le jeu, et puis merde. Hein. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Oh, ça pue, je suis obligée d'écouter leur converse. Ah non, là c'est pour retourner. Donc là, je vais réécouter leur converse. Ah, j'ai du mal avec ce truc, hein. Oh, planque-toi! Wop, 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 wop. J'ai peut-être mal fait. On va vite se planquer. Enfin, prions pour que je puisse aller là. Et me cacher sous le lit. J'espère pour que je puisse faire ça, sinon je suis dans la merde. Ouais, c'est bien, j'étais découvert le truc avant. Enfin, moi, le premier truc, je serais retourné peut-être à... dans le sous-sol, mais... Allez, avance!
Je peux pas me cacher sous le lit? Vous êtes sérieux? Je peux pas me cacher sous le lit? God, je peux pas. Ça pue du cul quand même. Ouais, je retourne en arrière parce que je vais me faire choper, quoi. Moi, je vois que ça, retourner en arrière. Il y a la porte de devant, mais ça me sert à rien. Ah, voilà, c'était ça, il fallait retourner en arrière. Ah, du coup, je vais où? Je fais quoi, moi, du coup? Il y a un truc à terre. Pourquoi je sens que je vais me faire repérer? Je suis sûre que j'ai oublié un truc. Hein. Je suis sûre que je suis en train de tourner en rond et que j'ai pas vu un truc. Hein. Non, je suis sûre que c'est dans la maison. Je suis en train de faire de la merde, là, en fait. Bon, éventuellement, si c'est trop long, je ferai une coupure. Hein. Mais non! Elle a remonté. Allez, redescends-moi ça. Mais merde, je dois faire quoi? Là, je dois faire quoi? Je suis vraiment larguée, là. Oui, je regarde encore mon truc, hein, du coup, parce que... Mais qu'est-ce que je suis censée trouver? Enfin, à moins que c'est dans le bureau, mais j'ai pas vu dans le bureau. Ah ah ah! Je viens de voir qu'il y a un étage là-bas. Je viens de seulement tilter. Je me disais aussi, mais où est-ce qu'elle est le gamin? Il y a un étage. Donc par là. Tu vas par là. Est-ce qu'il y a quelque chose pour rentrer? Rien, nada. Donc je monte. Allez, monte, discretos. Mais monte! Je fais du bruit, hein. Oh putain, je fais du bruit! J'aurais pu monter via la rampe. Voyons. Avant de faire une quelconque connerie, je vais regarder. Donc, il y a deux portes. Donc, je vais regarder cette chambre, salle de chambre, salle de bain. Je vais d'abord aller dans la salle de bain, ça me paraît plus logique, là où on mettrait tous les... tout ce qui est soins et tout, ça serait peut-être plus logique que ce soit là. Ah, et je vois où je pourrais me planquer éventuellement, soit la douche. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc en osier, là. L'armoire à pharmacie. Ouais. Bon, il y a une aiguille. C'est déjà ça. Il y a une bougie. Il y a une aiguille. I'll still need some bandages and something to keep it from getting infected. De l'alcool et du bandage. Bien. Je vais regarder si je peux pas regarder là-dedans. À mon avis, soit je vais devoir me planquer dedans. Il y a rien d'autre. Putain, mais il met tous les bandages. Dans une des chambres. Laquelle? Ouh, ça pue. Faut que je me planque. Faut que je me planque! La douche! Non, le placard, placard! Personne va vérifier dans un placard d'abord. Prie. Dis-moi que j'ai pas fait le mauvais choix. Pitié. Je savais qu'on devait se planquer à un moment donné, je le savais! Let it be okay. Let it be his. Ouh, ça sent la tromperie. Ouh. Non, je crois que si j'aurais pris le rideau de douche, j'aurais rien vu au fait. Ou alors elle m'aurait capté. Bon, on s'en fout. Je m'en sors. 14 minutes de vidéo, c'est bien. Donc maintenant, je vais retenter de ressortir en priant pour qu'elle se barre. Parce que madame était censée chercher un pull, mais elle est partie juste s'hydrater.
D'ailleurs, il y a de l'eau dans le truc. Intéressant. Et on va voir cette chambre en priant. Prier, prier. Ah, ça fait une cinématique. J'aime pas quand ça fait une cinématique. You're not supposed to be in here. Je sais. Tu peux m'aider? Je vais pas la menacer, ça me semble débile. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't. Bah, tu le dis jamais, quoi. Aide-moi et je ne lui dirai rien. Help me and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. Je me soigne et je me barre. What happened? J'étais mordu par un kleps. Bah oui. Ça fait mal. Je peux mourir si je m'en occupe pas. Voilà. Ouais, ça risque de s'infecter et donc je risque de... I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. J'ai bien fait d'aller lui parler. Ça va devenir ma pote. Salut, je suis Clémentine. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. C'est vrai que ça doit faire longtemps que tu n'en as pas vu. Hein. Bon, on va dire oui, on est amis, hein, si. Yes, we are friends. Bon, moi, je veux bien être amie avec toi, mais. Je te promets. Je vais pas dire je te dis oui, sinon ça fait. Allez hop, le petit doigt. Le petit doigt. Allez, le petit doigt. J'ai failli pas le faire. Yep. Ah, c'est mignon. Ouais, bah, en espérant que tu meurs pas, c'est ça le grand problème. Parce que tous les personnages dans Walking Dead, ils meurent. Qu'est-ce que mon père utilise? Qu'est-ce qu'elle lit au fait? I think this is it. That'll work. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Ouh! Ah, j'allais dire, putain, il y a quelqu'un qui rentre! Non! Thanks, Sarah. Merci beaucoup. Oh, je t'aime! Je t'aime, toi, ma petite! Toi, t'es gentille! Enfin. Vous avez toujours besoin de bandages, ouais, ça c'est le gros problème. Mais ça va pas piquer dans du tissu, enfin, le tissu du lit et faire chance en bande rien. Non, oui, non, ouais, je sais, on profite déjà du. Je sens que je vais devoir me planquer dans le placard. T'as pu. Bon. Il me faut du bandage, donc je vais regarder un peu. Oui, je suis en mode observation, hein. Ah, putain. genre, ils ont encore des jeux de société, mais comment ça s'appelle le nom en français? Peut-être dans le grand placard. Fuck, c'est fermé. Je ne peux rien faire. Ah, c'est quoi ça? Not exactly bandages, but they should help stop the bleeding. Ah, c'est ça. J'ai quand même fouillé dans le petit armoire ce qu'il y a là. Est-ce que je la prends? Ça me sert à rien de prendre une montre. Oh, je la prends. Non. Je veux pas. Je vais la laisser, parce que si je la prends, je sens qu'on va dire qu'il y a quelqu'un qui a pillé tel ou tel truc, et je vais me faire griller en 2 secondes. Donc je ne la prends pas. Donc je continue. Et je crois que je dois juste ressortir en priant qu'il n'y ait personne. Ça va, j'ai pas eu l'impression qu'on me forçait. Allez, on descend. Prions qu'il n'y ait personne. J'essaie de descendre doucement parce que je me dis que je vais dans la merde sur mon père. Surtout que cet escalier grince. Grince. Là maintenant, je ressors. Sincèrement, je ne m'éternise même pas. Je ressors. Pourquoi? Parce que si je reste dans les environs, je risque de me faire griller. Donc je vais me soigner.
Je vais me soigner et on prie quoi. Donc voilà, je vais retourner dans mon truc. Allez, maintenant on se soigne. Ah. C'est du PQ, non? Ou c'est du tissu? T'as un couteau pour couper? Ça va être marrant. Ah, en plus, je vais devoir le faire, je le sens. Je vais devoir le faire. Oh, putain. Ouais, tu vas souffrir, ma fille. Donc, on va prendre, on va le désinfecter. Ah, putain. Ah, putain, ça doit brûler. T'aurais dû prendre du tissu et le mettre dans ta bouche. Ah. Je vais plus que me marrer. C'est vraiment du... Moi, je croyais que c'était du fil de pêche, hein, moi, le truc. Hein. Oh, putain. En plus, je vais devoir le faire. Ah, c'est plus dur de se faire à soi qu'à... Ah, je croyais qu'elle tremblait. Ah, allez, fais-le. Mais... Ah, putain. Ah. Ah, putain, ça doit faire mal. Ah, comment te sentir vivre? Et en plus, je vais devoir le faire plusieurs fois. Allez! Allez, tu... Oh, putain. Moi, c'est bien un truc que je ferai jamais. Je vais devoir le faire combien de fois? 5 fois? Oh, putain, en plus, ça va tourner de l'œil. Allez, c'est parti. Allez! Allez! Allez, fais-le! Oh, putain. C'est pas en hésitant que tu vas... Allez! Oh, putain. J'y arrive pas, hein. Ce truc est dur! Allez! Oh, putain. Il veut pas, hein! Bon, je crois que je vais arrêter là après, hein, mais... Oh god, allez! Vas-y! Nani! Allez! Putain, mais c'est au petit fomètre que je le fais ou quoi? Allez, elle souffre! Oh mon dieu! Allez! Ah putain, mais je l'ai fait! Allez! Pleure un bon coup, je crois que ça te fera du bien. Et il veut pas des fois le QTE, hein, je vous jure, hein, je blague pas! Hein. Ah! Ah putain! Ah putain. Ah, ah c'est juste ignoble. Et après j'aurais remis du désinfectant dessus. Vous rigolez hein, mais moi c'est ce que j'aurais fait hein, pour être sûr à 100% que ça marche. Ouais c'est un truc que j'arriverai jamais à me faire faire. Enfin même aux autres hein, j'y arriverai même pas. Hein. Ah putain je me sens mal en plus. Allez. Ah, j'ai enfoncé. Putain, on dirait que ça sort. Et... Comment te sentir vivre? Putain. Oh, cox. Non, mais j'ai mal, hein. Oh. Ah, ça doit faire... ignoblement mal. J'aurais remis du truc, hein, sincèrement. J'en aurais remis, mais bon, vu qu'elle l'a fait tomber, donc on imagine qu'il y en a plus. Et là, t'as le médecin, le lendemain. Tu t'es soigné? Oui. Aïe. Ramasse-le. Bah, je le savais.
Oh putain, mais tape-le. Tape-le. Non. Ne me dis pas que ça m'a mordu. Non. Non, pas par là. Je l'ai dit par là. Mais par là. Prends-le. Prends le truc. Allez, prends. Putain, j'espère qu'il m'a pas mordu, cette saleté. Allez, attaque. Non. Non, 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 non. Putain. Non. Prends-le. La gueule. Mais non. Allez, je vais avoir une crampe. Je savais que ce truc allait nous servir. Je fais quoi, moi? Merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, réalcuté. Ah, mais merde. Il fallait juste le retaper dessus. Bon, bah, j'espère qu'il va me remettre là et pas aux aiguilles, sinon je suis mal barre. God. Allez, hop. On reprend tout. Allez, hop, plop, 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 plop. Lâche-moi. Lâche-moi. 3, 2... Ah, est-ce qu'il m'a mordu, là? Là, j'ai un doute. Prends, prends, prends. Je suis trop courte. Putain, c'est pas vrai. Comment il a su que j'étais dedans, quoi? Non. Putain. Putain, c'est pas vrai. Prends. Dégage. Allez. Allez. Et maintenant, on refrappe. Tu refrappes! Tu refrappes! Allez! Qu'est-ce que tu fais? Mais... Da fuck! Je comprends pas. Je comprends pas. Bon bah, c'est sur cette fin de merde que je vous laisse. Oh putain! Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Il faut le cliquer dessus, God, je sais pas, donc... Enfin voilà les gens. Tant pis, hein, ça sera pour le prochain épisode, hein. Allez, à la prochaine, salut!